Le faire deux fois en plus. Bon bah j'y vais pas. Quelqu'un ? Je lui ai envoyé un texto. Ah c'est bon, t'es là. Ah salut. T'as pas entendu ma pensée avant que j'arrive ? Non, c'est bizarre. D'habitude, personne n'arrive à me surprendre. Ça confirme bien ce que je pensais. Hein ? Tu te la joues Professeur X là, non ? Pourtant ça devrait être toi, Professeur Xavier. Non, moi je suis Wolverine. Ouais, bref. Je pense que j'ai compris comment fonctionne ton pouvoir. Vas-y, je t'écoute, Charles. Xavier. Charles... Ça va, j'avais compris. En gros, tu vois, les gens se créent une voix dans la tête pour réfléchir et dialoguer avec eux-mêmes. Et ben cette petite voix, elle fonctionne sur une certaine fréquence. Je pense que toi, t'arrives à la capter et du coup à la comprendre. Ok, d'accord, mais du coup, toi, comment tu t'es caché ? Ben moi, j'ai réfléchi sur une autre fréquence. Ah, tu peux faire ça ? Ouais, et je pense même que je peux te la prendre. Mais ça voudrait dire que... Ça voudrait dire que tu pourrais ne plus entendre les voix des gens tout le temps. J'ai entendu que tu pouvais contrôler ton pouvoir que quand t'as fumé. Sinon, il est tout le temps actif. Oui, quand je fume, je peux contrôler. Mais plus ça va, plus mon corps s'habitue. Et donc, je fume de plus en plus. Du coup, une fois par mois, je m'isole pour pouvoir me purger. Et bah, dans un premier temps, il va falloir que tu apprennes à reconnaître ces ondes-là. Et pour ça, il va falloir que tu essaies d'en transmettre une. Quoi ? Mais comment je vais faire ça ? Bah, tu vas dans un café, tu penses « J'aimerais bien prendre un café au miel. » Et puis, s'il y en a un qui en prend un, ça veut dire que ça aura marché. Bah oui, mais personne prend jamais de café au miel. Bien sûr. Ouais. Bon, maintenant, casse-toi, ma sœur, elle est pas là. Ouais, ouais, mais je vais tester ça tout de suite. A plus, Mathieu. Ouais, à plus, Logan. C'est quoi le plan, là? Tu dois envoyer tes pensées dans la tête d'un mec lambda pour qu'il commande un café au miel? Ouais, en gros, c'est ça, ouais. Non, mais t'es sûr qu'il se fout pas de ta gueule, Mathieu, parce que... Bah, c'est dur à dire avec lui, on a tout le temps l'impression qu'il est en train de rigoler. Moi, je pense qu'en fait, il a juste pas de paramétrage humour dans sa base de données, tu vois. C'est nul. Bon allez, ça doit pas être bien compliqué. Déjà, t'entends pas les pensées des autres. La bœuf agit. Bon, concentre-toi. Lui là-bas, tu prends un café au miel. 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 Tu penses que c'est un robot ? S'il te plaît, MJ, je me concentre là. Pardon. Bah ouais. Prends un café au miel. 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 Ça fait presque une mélodie, ça. Prends... Café au miel. Eh, ça sonne bien, ça. Bon, allez, on reprend. Prends un café au miel. Que la force soit avec toi. Bon, ça marche pas des masses, ton truc, hein. Ouais. En plus, la bœuf fait bientôt plus d'effet. J'arrive pas à me concentrer. Je vais entendre tout le monde en même temps. Ça va être le bordel. Vas-y, on rentre. Allez. Attends. Je sens les ondes. Attends. Ok, ça doit être ça. Alors, dans ce cas... Tu vas prendre un café au miel. Tu vas prendre un café au miel. Un café au miel, s'il vous plaît. Yes ! Ouais ! On a gagné ! Allez, hop là ! Putain, trop bien, ça a trop bien marché ! Ouais, et puis j'ai pu vraiment ressentir les ondes, c'était incroyable. Par contre, ça marche que quand je suis pas défoncé. Ça, c'est con. Oh, mon téléphone, attends, je reviens, j'arrive. Ok. Un café au miel, aussi, s'il te plaît. Un café au miel. Franchement, du coup, t'as fait quoi hier soir? Bah, soirée, hein, beer pong, perle de l'enfer, purple, cream pie, ça va? Ah, ça va, gros? Putain, je suis trop heureux, j'ai passé une soirée de ouf. Concours de twerk, j'ai gagné, j'étais trop bien avec ce soir dans Vidromone. Est-ce que vous avez un truc pour moi? Ouais, ouais, ce soir, je remets ça. On avait dit quoi? Vous voulez combien? C'était 100, je crois. Ouais, c'est 100. C'est parti. Ouais, c'est ça. Oh, tu vas voir, c'est ma copine qui l'a fait pisser. Elle est chine. Ça se sent, ça se sent. Ah, mais je vais voir, elle est là. Oh putain, j'ai trop kiffé. T'inquiète, t'inquiète. Qu'est-ce qu'il y a? Viens, gros.
Non, c'est bizarre, hein. Ouais, ça va. Bon, quoi qu'il en soit, faut que j'aille à l'assaut, faut que j'aille voir Didi. Tu viens? Mais non, gros, à l'assaut, il y a Jérémy. J'ai pas envie de voir Jérémy. Mais alors, il est bizarre, Jérémy. Tu sais un peu ce qui se passe de temps en temps, Disco? Bah ouais, mais il t'a piqué ta copine. Mais non, c'est le mec à qui je dois de l'argent. Ah, mais oui, c'est vrai. Non, là, là, c'est à cause de lui que t'as tout pété chez Madja. Ah oui, c'est vrai que t'es au courant de ça, ouais. Toi. Vas-y, moi, j'y vais. Ciao. J'ai fini mon paquet de céréales, je rentre. Parce que j'ai pas d'amis. Yo, t'es prêt ? OMG, devinette. Ouais. À quel moment t'as le plus envie de fumer, d'après toi ? Je dirais quand t'as pas fumé depuis longtemps. Oh, c'est totalement faux, c'est une heure après le pétard. Une heure ? Une heure. Bon, du coup, tu les défonces un peu, mais pas trop. Ouais. Comme ça, moi, je pourrais arriver à leur vendre de la weed plus facilement. Ah, c'est pas con, ça. Ouais, c'est bien ça. Eh, hey, on est partenaires. Ouais, ouais, ouais. Tu kiffes ton nouveau pouvoir, toi, surtout. Tellement, tellement. Allez, on y va. Et attends, attends, attends. Quoi de mieux pour vendre de la weed que la fac de lettres? Excuse-moi, ça te vient. Vous voulez des flyers, c'est pour Philippe Poutou, c'est très important. Il est engagé, c'est contre la loi. Non, 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 c'est très important. Non, j'allais à la bille. Tu vois, ça, c'est les mecs qui vont à la bille pour réviser. Ils ont jamais leur année. Tu peux en être sûr, hein. Débile. Eh mec, t'as envie d'acheter de la meute? Oh! Mec, bon, vous tous, si c'est cool, coucou, et Bendou, Wazabanga! Mais non! Si, si, je crois, tu l'as déjà vu, toi? Ouais, c'est une fille de la fac. Salut les filles! Salut! Salut. Ça va? Ouais, ça va. Ça fait longtemps? Ah, oh, bah, c'est. Moi, je vous suis sur YouTube. Bref, c'était 200, c'est ça? Non, c'était 20. 20 grammes? 20 euros? Ah, je suis désolée, j'ai confondu. Ah, ça m'arrive tout le temps. Désolée. Ouais, enfin, c'est quand même pas pareil. Oui, bon, ça va. Ok, bon, et ben, tiens, écoute, 20 grammes. Merci. Super. Bah, vous faites quoi après, les filles? Bah, on voulait se faire une pizza, il y a une pizzeria pas loin, là. La Joe Pizza, là? Non, mais faut surtout pas y aller à celle-là. Pourquoi? Elle est dégueu. Non! Elle est maudite! Ouais, et ben, écoute, c'est cool, hein? À bientôt! Salut! Bisous, les filles! Je vous attendais. Non, mais Et tu viens ici malgré la malédiction? Bof! Maintenant que vous êtes là, c'est trop tard, hein. Tu vois le dîner de con? Bon, les filles, vous voulez quoi? Bah, je sais pas, genre celle-là. Oh non! Oh non, pas elle. Non, bah, non. Pourquoi? Elle est maudite, elle aussi? Non, elle est dégueu. Salut, les gars. Salut, mec. Il est pas avec Booster? Non, non, il vient plus trop au siège. C'est dommage, je l'aimais bien, lui, pourtant. Passez-lui le bonjour. Bon, les gars, je vous ai organisé une petite soirée. Pour mon anniversaire? Mais c'était déjà en octobre. Non, pas ça, une soirée pour vendre. Il y aura plein d'acheteurs potentiels, vous y allez à 6, vous pourrez vous faire plein d'argent. Mais tu nous as mâché tout le boulot, là? Bah, pas forcément, parce que ils s'y connaissent bien, ils sont tous en école de commerce, donc ils connaissent bien les combines pour vous embobiner. Bon, tranquille, avec de l'alcool, ça devrait y faire. Hein. Surtout avec vos pouvoirs. Vous y allez à 6, vous vous débrouillez comme vous voulez, vous synchronisez vos pouvoirs, je compte sur vous. Maintenant, c'est le moment que vous fassiez vos preuves et que vous montriez de quoi vous êtes capable. Disco, mais X-Men, notre première super mission nous attend. Wouh! Oh, je peux être le professeur Xavier? Non, c'est déjà pris. Oh, cool. Bon, tu vois, il nous est rien arrivé, hein. Aucune malédiction. Ouais, c'est bizarre. Comme si on pouvait être maudite avec une pizza, ça va. Bah tiens, tu vois, sa malédiction qui commence. Mais non, y a rien renversé, ça va. Si, regarde, mais arrête, mais... Putain, mais... c'est toi, là. Malade. Allez, bisous les filles. Ouais, c'est ça, bisous. Ouais. T'es vraiment chelou cette fille, hein. Tu veux dire, même par rapport à toi? Grave. Attends, quoi? Bah, toi t'es normal.
elle est très, très perche. Ok, ça va. Attention! Il y en a encore un qui a eu de la chance. Yo! Yo les filles, ça va? Non, ça va pas, on est maudites à cause d'une pizzeria. T'as encore fumé un pur, toi, non? Non, elle rigole pas. Il y a vraiment qu'à vous que ça peut arriver, ce genre de truc. Bref, Mathieu nous a trouvé une soirée. Pour mon anniv? J'ai déjà fait celle-là. On doit combiner nos pouvoirs pour vendre un maximum. C'est-à-dire que MJ vient pas, du coup. Mais comment on va faire avec la malédiction? On n'y arrivera jamais. Mais parlez pas de malédiction, hein. Moi, j'aime pas ça, hein. Non, mais vous inquiétez pas. Hocus pocus, la malédiction est levée. Tu crois que c'est bon? Mais non, tu vois bien, ils se foutent de notre gueule. Non, non, je vous jure, la malédiction est levée pour 48 heures. Vous êtes protégés. Oui oh non, mais... Putain, Matcha, t'en as foutu partout. C'est malédiction, ça. Mais non, 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 mais non. Yeah. Quelques temps, je suis blanc comme un cachet. Sur ça vient de la bouffe. Encore un virus qu'on m'a caché. Mon assiette est pleine d'OGM. Tu t'as boulé à la frite. Des steaks toxiques qui m'ont boulé à la grippe. J'ai quelques symptômes peu ordinaires. J'ai envie de sa plage. Et tu connais pas la dernière. Maintenant, je porte casquette et runner. J'ai remplacé le Figaro par sa source. Et c'est pas une rumeur. C'est à moi là? Non, non, toi tu viens de jouer. Ah oui, peut-être. C'est à moi là? Non, non, tu viens de jouer. Uno, encore gagné. Uno, fini. Mais what? Mais on a même pas commencé. Moi j'ai même pas pu. Allo DJ. Ouais Esther, je peux savoir pourquoi il y a un petit torse nu chez nous? Ah mais oui, c'est notre nouveau coloc. Il est sympa, il s'appelle Alex. Notre coloc? Mais on a que deux chambres. Ouais. Mais il dort sur le canapé et il paye le loyer. Bah c'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs. Il aide à rembourser la dette. Ouais, et puis évidemment il paye cash. Bah ouais, pourquoi? Bon, non rien, laisse tomber. Bon, je vais faire connaissance. Allez, à plus. Bah vas-y, biscouze. Soir. On est reparti? C'est à moi là? Non, non, toi tu viens de jouer. Ah oui. C'est à moi là? Non, toi tu viens de jouer, en plus je crois que tu t'es pris plus 4. Voilà. Bon bah c'est trop tard, il viendra pas. Ouais, mais il avait dit 18h. Ah ouais, mais c'est 19h là. Puis on lui avait bien dit 3ème étage. 3ème étage? Bah ouais. Puis c'était 500 balles. Bah ouais, je sais, mais là ça sent trop. On y va? Je sais ce qu'on pourrait faire en rentrant. Ah, tu penses à ce que je pense? Marie-Claire! Tu pensais bien faire l'amour à la base? Bah ouais, moi je suis trop laid comme toi. Bah ouais. Bon, on y va? On y va. Peut-être que je prenne la route quand même. Oh, on avait bien dit 4ème! Bon. Ouais, je vais aller me faire un Mario Kart. Salut, Axel, c'est ça? Ouais. Moi c'est DJ. Je suis le cousin de Ster et accessoirement ton coloc. Salut toi. Merci de me loger en tout cas, c'est super. Bah écoute, si le canap ça te va... Le canap? Ouais. Ah ouais, oh. Non mais parce que... en fait on m'avait parlé de ta chambre. Quoi? Mais il est sérieux Ster, mais attends. Non, écoute, là faut... Le canapé c'est très bien aussi. Ok. Et puis on alternera. Non, c'est mort. Une fois sur deux. C'est alterné ça. Une fois sur quatre. Non. Une fois sur huit. Non. Alors pas. Une fois sur 17. Non mais c'est ma chambre. C'est personnel. Je la partage. Enfin, je vais pas te laisser ma chambre. Ça te va pas le canapé? Si, écoute. Le canapé c'est très bien aussi. Ce sera toujours mieux que l'année dernière de toute façon. Pourquoi t'habitais où avant? Dans une cellule. Dans une cellule? Ouais, enfin tu sais pas une... Ouais DJ, il m'est arrivé une histoire de fou. Ah bah vous êtes tous les deux? T'as vu, il est sympa Alex. Je te l'avais dit. Ouais. On peut parler deux minutes? Ouais. Il m'a dit qu'il sortait de cellule. Non, mais cellule de dégrisement. T'es en train de me dire qu'il vivait dans une cellule de dégrisement? Qu'est-ce qu'il dit qu'il est pas dangereux? Il t'a tapé? Non. Bah voilà, comme t'es fait, il serait dangereux, il t'aurait tapé. Non mais même, tu laisses pas un mec potentiellement dangereux dans l'appart sans te prévenir. Oh, ça va. Puis c'est quoi cette histoire avec ma chambre? Tu lui as laissé ma chambre? Tu lui as dit qu'il pouvait? Attends, je t'ai passé sa chambre? Non, ça c'est un autre monsieur qui me l'a dit.
Disco. Joey. Disco. Bon, enfin. Ah bah ça y est. Papa. Bon, c'est bon, tout le monde a compris le plan. Vous pouvez l'expliquer une dernière fois. Tout bon. C'est bon. Disco, sûr. Mais oui. Mais pourquoi c'est pas à moi qu'on demande si j'ai compris? Non, moi aussi on me demande souvent. Ouais, d'ailleurs, Madja, c'est bon pour toi? Bah non, j'aimerais bien qu'on l'explique. Madja. S'il te plaît. Même moi, j'ai. Un anus, un anus de... Oui, c'est ça. Oh, j'en ai rêvé. Oh, je fais... Non, j'ai paniqué. Salut, salut. Hey. T'as des minutes? Ah, c'est drôle. Hein. Bah, c'est pas fait exprès, c'est bon, c'était juste nul. Okay. Salut les gars. Salut. Bah, Mister. Non, non, il vient plus trop aussi. C'est dommage, il était marrant pourtant celui-là. Oui. Je pensais qu'il avait un truc à dire avant que je... Passez lui le bonjour. Bon les gars, je vous ai organisé une petite soirée. Mon ami. Bonjour. Bon les gars, je vous organise une soirée. Putain, mais c'était bien. Oh, mais bon les gars, je vous ai trouvé une soirée. Je vous ai trouvé une soirée. Ouais, tiens, Thomas, tiens. Oh, désolé,
m'est arrivé un truc de fou l'autre jour. Oh, vous êtes ensemble? Vous faites connaissance? J'ai un spinner. Joyeux anniversaire, mon chat. Merci. Je t'ai fait un cadeau. Tadam. J'aime pas les bijoux, Disco. Non, mais ouvre, tu vas voir. C'est exactement la même bague que je t'avais faite quand on s'était mariés en primaire. Tu te souviens? Ah mais oui, je la mettais tout le temps. Mais elle s'était fanée et elle pendouillait à mon doigt, mais c'était cool. Et avec ton pouvoir, t'avais su lui redonner sa force et sa joie de vivre, comme tu fais tous les jours avec lui. Non. Bon anniversaire, MJ. Bon anniversaire. Les gars? Ouais, c'est super mal isolé. Eh, Disco, stylé ta dernière phrase. Un peu cucu, mais stylé. C'est mergo. Par contre, je t'ai pas péché pour le cadeau, hein. Mon frère, citadelle. Bon anniversaire, MJ. Bon anniversaire. Excellent. Bon, désolé.